Bonjour. Comme promis dans une vidéo précédente qui concernait l'archange Michaël, je vais vous montrer une méthode de tirage à trois cartes, un petit peu différente d'avec les autres oracles que j'utilise. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je mélange le jeu. Jusque-là, on ne change rien. Voilà. Une fois que le jeu est mélangé, d'habitude, je coupe toujours. Mais avec l'archange Michaël, il n'y a pas de coupe. Donc, je pose le jeu directement. Je me concentre et je pose ma question pour avoir ma réponse avec mes trois cartes. Je peux poser la question mentalement ou oralement. Donc là, pour l'exemple, je vais poser la question suivante. Est-ce que je vais déménager? Donc je tire la première carte que je pose à gauche et qui va représenter le passé proche. La carte centrale qui, elle, va représenter, bien entendu, le présent, mais va représenter aussi le conseil à suivre. Et la carte de droite, qui, elle, va représenter le futur proche. Je retourne la première carte qui me dit « Votre intuition est pure, faites-lui confiance ». Donc, dans un passé proche, effectivement, j'ai déjà eu des intuitions, des ressentis par rapport à ma question. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à mes ressentis. La carte centrale, comme je l'ai dit, représente le présent ou le conseil à suivre et me dit que je suis sur la bonne voie. Donc, le projet que je me suis mis pour déménager, eh bien, c'est en bonne voie à suivre donc. Le futur proche, demandez à l'archange Michaël de vous aider à régler la situation. Donc, j'aurai besoin, à un moment donné, peut-être, parce que je n'y arriverai pas toute seule, de faire appel à l'archange pour qu'il puisse m'aider dans la réalisation de mon projet de déménagement. Alors, c'est un tirage assez facile à faire, qui répond, comme vous le voyez, assez facilement à nos questions. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Et en plus, c'est un archange... L'archange Michaël, moi qui m'aide toujours beaucoup, je le sollicite souvent, presque au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir regardé.